Hello tout le monde! On est jeudi matin, il est 8h30 donc je suis un petit peu en retard. On se dépêche et puis je vous reprends un petit peu après. Bon, comment ça va? Je ne sais pas si cette journée se passe bien. Ce matin, malheureusement, quand j'ai pris mes lunettes, il y a, vous savez, la petite pastille là comme ça, ici, là, qui s'est cassée. Du coup, je l'ai collée avec de la super glue. Mes doigts se sont collés comme ça, donc j'arrivais plus à les détacher. Et là, je viens de terminer un entretien, j'avais un deuxième entretien d'embauche pour un poste. Et pendant l'entretien, j'ai senti le truc qui est tombé comme ça. J'ai eu l'air fort intelligente. Et donc, je ne sais pas si je peux me refaire offrir des lunettes ici en Corée du Sud. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Parce qu'en soi, je peux les utiliser, mais ça me fait mal en fait. Il y a un truc qui me pique. Enfin bref. Sinon, donc, l'entretien est terminé. Je vais pouvoir enfin passer, enfin, vaquer à mes autres occupations, c'est-à-dire réviser. Sortir un peu, me promener. Ce midi c'était hyper sympa parce que j'ai déjeuné avec un garçon de l'université qui est hyper intéressant. Hyper intéressant. Et alors, votre chance, votre plus grande chance, c'est que ses frères et lui, ils ont une chaîne YouTube, ils font des choses qui sont incroyables. Alors, je vous dis ça, je vous dis que c'est incroyable, mais j'ai pas encore bien regardé parce que c'est le type de contenu qui est hyper qualitatif. Donc j'avais cliqué vite fait pour voir un petit peu quelques minutes sur certaines vidéos. Et en fait, c'est tellement de qualité qu'il faut que je fasse rien d'autre à côté et que je savoure ce type de contenu. Parce que moi, vous savez, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, mais souvent je les écoute en fait. Ça me sert de podcast quand je suis en train de me doucher, quand je fais la cuisine, quand je range, etc. Mais voilà, j'ai très peu de temps pour regarder des vidéos, je pense, aussi qualitatives. Et c'est un peu triste en fait. Mais du coup, voilà, je vous partage leur chaîne. Ils sont. Je les connais pas bien, voilà, mais c'est beau savoir voilà, que je les croise tous les jours. Et d'ailleurs, il y en a deux d'entre eux qui sont vraiment au même étage que moi et qui sont dans les deux classes à côté. Moi la mienne est au milieu et du coup voilà je les croise souvent dans les couloirs, ils sont très très sympas. Et donc voilà, je vous propose de visiter un petit peu leur chaîne. Ça n'a rien à voir avec moi ce que je fais, c'est vraiment quelque chose de un peu plus profond quoi. Moi c'est vraiment. Je sais pas ce que je fous là. Je sais pas. Mais chacun son style, moi j'aime bien faire des vidéos, ça me détend, ça me fait une occupation aussi et ça me permet surtout de pouvoir partager avec Kezia. Si vous vous posez la question, Kezia va très bien. De partager avec mes parents et surtout d'avoir des souvenirs sur, je pense, cette parenthèse de vie qui sera incroyable pour moi. Voilà. Tout n'est pas rose, mais quand même, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Et donc, j'arrête pas de le répéter, mais je suis quand même très heureuse d'être ici, de voir ce que je vois et de faire ce que je fais. Bon, sinon, j'ai très envie d'aller me boire un matcha latte, mais j'ai simplement. Je vais faire mes petits exercices avec vous parce que je crois que mes écouteurs ne veulent plus trop fonctionner. Et donc, comme il y a une auto-dictée, donc je vous l'ai dit, à chaque chapitre, on fait un petit examen de contrôle pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans les apprentissages. Moi, ça s'est très bien passé ce matin. J'ai eu 19 sur 20 sur le test sur tout le chapitre. Et ensuite, donc ça, c'est le livre qu'on utilise en cours avec les points de grammaire, les dialogues, etc. Et ensuite, pour la maison, on a ce workbook avec nos petits exercices sur le chapitre. Donc, il faut que je finisse pour demain. Enfin, c'était à partir d'aujourd'hui qu'il fallait le rendre. Il faut que je finisse tous les exercices du chapitre et comme ça demain matin je le mets sur le bureau de ma prof qui va corriger et comme ça ensuite je prends reconnaissance des corrections et ça va m'aider pour la suite. Sachant que pour ce week-end j'ai une rédaction à faire et que là il y a un petit exercice qui est un peu similaire donc j'ai vraiment besoin de rendre mon workbook demain impérativement. Je voulais le faire ce matin mais
Hier soir, j'ai rien foutu. Voilà. Donc, on va faire ça together. Faut que je mette mes lunettes ou pas? Non, je sais pas. Voilà. Comme ça, vous allez aussi faire écouter en même temps. Donc, page 10, c'est fait, page 11. Ah oui, et du coup, comme on a fait nos examens de mi-parcours, là, c'est un nouveau parce qu'on a un livre et un workbook pour chaque partie du semestre. Bon, je ne sais pas si c'est hyper clair ce que je dis. Page 14, ok. 15, c'est fait. Et donc, moi, c'est la page 16. Et ensuite, la 17. La 18, c'est bon. Il manquera juste la page 19, mais je vais le faire au café parce que j'ai besoin de sortir respirer là. J'aime pas rester enfermée. Alors qu'on est en Corée du Sud, quoi. Pourquoi je reste enfermée? Donc là, il y a toujours un petit QR code. Vous voyez peut-être pas d'ici, mais il y a un petit QR code. Je vais le scanner pour avoir la bande audio. Ça marche pas? Ah si. Voilà. Et ensuite, bim! 문장을 듣고 써보세요. 1번 오늘 같이 저녁 먹어요. 오늘 같이 2번 아, j'ai pas le temps d'écrire. Je fais une faute. 좋아요. 거기에서 아침에 산책해요. 거기에서 c'était quoi? 아침에? 산책 Très bien. Il n'y a que 5 petites phrases, ensuite un autre exercice. Donc ça va assez vite quand même. Mais je trouve ça hyper sympa comme type d'exercice. Ça change un peu au lieu de faire des trucs uniquement, je sais pas, uniquement de la lecture, de répondre à des questions sur des textes qu'on lit. Enfin bref. 3번. 3번. 외출 안 해요. 뭐? 되게 mal. 보통 왜? 안. 예. Bah c'est triste que cette personne ne sorte pas. 4번 4번 친구하고 같이 놀이공원에 친구하고 같이 놀이공원을 써요. J'ai pas compris. 친구하고 같이 놀이공원에 4번 친구하고 같이 놀이공원에 갔어요. 공원에 갔어요. 5번 바다가 정말 아름다웠어요. 바닷가 정말 아름다웠어요.
아름다웠어요? 써요. 5번. 바다가 정말 아름다웠어요. OK. Très bien. Donc, exercice suivant, et ensuite, comme ça, je suis libérée, je peux sortir, et c'est trop bien. Dans celui-ci, je dois trouver la bonne réponse. Bon, c'est assez simple en fait, mais bon. 알맞은 것을 골라보세요. 그리고 들어보세요. 들어보세요. 1번. 샤오동 씨, 지난 주말에 뭐 했어요? 우리 반 친구를 만났어요. 오케이. 2번. 주말을 어떻게 보냈어요? 어떻게 보냈어요? 일요일에 PC방에서 게임을 했어요. 3번. 다니엘 씨, 그럼 다음 주 토요일은 어때요? 네, 좋아요. 주말에 시간이 있어요. Et ben voilà, j'ai tout fait. Et ensuite, je dois réécrire la phrase. Mais là, le vocabulaire, il est quand même très simple. Je le ferai au café. J'aurais pu le faire ici, comme ça, j'ai pas besoin de me trimballer le livre, mais je ne respire pas ici. Trop contente de sortir. En fait, j'attendais trop mon entretien pour pouvoir sortir. Bien que quand même, on a déjeuné vers... Comme on a terminé à 13h, je pense qu'on est arrivé vers 13h20, 13h30. Je suis arrivée à la maison à 15h30, du coup. Ouais, je me plains un petit peu pour rien tout de même. C'est reparti, je refais mon sac. Je sais pas où je vais aller. Est-ce que je vais au café où ils font le trop bon matcha latte, mais où le mec est tellement désagréable que à chaque fois il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Je teste un nouveau café pour voir si le matcha latte. Il est 21h30, je vous parle des sacs poubelles depuis au moins... Ah non, je suis plus à l'heure automatique. Ah. Je vous parle des sacs poubelles depuis samedi dernier, je crois, dimanche dernier. Honteux. Et là, voyez-vous, ça ne peut plus durer. On voit vraiment que ma priorité, c'est mes études. Donc, mais ce soir, exceptionnellement, mais ce soir quand même, je vais tout nettoyer, bien ranger la cuisine, tout ça, avant de faire le montage vidéo, parce que j'ai pas commencé, voilà, j'ai révisé jusqu'à 21h30 là, donc je suis très contente, demain ça va être bien, et voilà. Bon, je pense qu'en termes de look, on est de mieux en mieux, mais bon, on est de plus en plus confort, et ça me plaît.
Bon, game over pour moi, c'est fini là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tes pesetas!